Et bienvenue. Oh, wow. Bienvenue. Bienvenue dans l'enfer du Canada. Dans l'enfer blanc. Donc la dernière fois, nous avions trouvé une nouvelle zone. On peut appeler ça une nouvelle zone? Une nouvelle petite zone, on va dire. L'atelier, il est là. Je crois que c'est par là. Avec le conteneur métallique, ouais, je crois que c'est par là. On avait trouvé une zone qui était un peu mieux pour se... On n'a pas froid, pardon. Ça va. Pour se placer. Parce qu'on n'a pas besoin, du coup, de faire tout le tour de la zone. Donc, je voulais déménager là-bas. Donc, on va déménager là-bas. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas très loin non plus. Mais je voudrais quand même, on va dire, l'aménager. Si jamais on revient là, comme ça sera beaucoup plus simple que de vivre ici. Parce que c'est vrai que vivre ici, c'est un peu relou. C'est loin. Enfin, il faut toujours faire le tour du camp et tout ça. Donc, c'est un peu... Honnêtement, c'est chiant. Je voudrais aménager ça avant de partir. La map, je ne l'ai pas dessinée. Enfin, on peut peut-être regarder déjà. Je voudrais aller voir là-bas. Sur le côté gauche. Honnêtement, je pense qu'il n'y a strictement rien. Je suis pas allé regarder de map ou quoi que ce soit, de carte, donc je sais pas. Mais pourquoi pas. Et puis après, on va remonter. Donc on va passer par la grotte qui est normalement là, je crois. Je pense que si on a dessiné là, c'est parce qu'il y avait la grotte. J'imagine. Donc on va remonter tout le long et on va aller à la grotte. Par contre, on risque de rencontrer pas mal de loups. Bon, c'est pas grave, on a plein de flèches, donc on devrait pas avoir de problème. Mais voilà. Voilà. On va laisser... On peut pas les mettre, les déposer. On va laisser genre 3. Avec 3 litres d'eau. Genre 3 steaks, 3 litres d'eau. Et une bombe de peinture. On a aussi des chaussures ici. Attendez, il fait... Ah, il fait quand même froid, regardez, on a froid. Waouh, il doit faire super froid en fait. Waouh, moins 62 degrés. Ah ouais, chaud. On peut pas faire de jeu de mots. Bon, bah on va rentrer du coup. Waouh, c'est impressionnant. Ça doit être une des tempêtes les plus froides qu'on ait eues, je crois. Donc du coup, on va passer le temps à faire ça. On va cycler 1h30. Très bien. Toujours la tempête. Donc ça, on touche pas, ça, on touche pas. La dernière fois, on l'avait vu pour essayer de voir si on pouvait réparer nos outils, mais on peut pas parce qu'il n'y a pas eu d'aurore boréale. Ah, c'est pas grave. Donc là, on n'a rien à prendre. J'ai un peu peur que la tempête, en fait, elle dure longtemps. Un truc que je voudrais faire, c'est ça, par contre. Ah oui, mais il y a une tempête. Les repères placés à l'intérieur ne marcheront pas. Ah, ok. Oui, et en plus, si on le fait à l'extérieur, on va pas pouvoir noter parce qu'il y a une tempête, je crois. Parce que je voulais juste faire un marquage sur la map, mais bon, ça, c'est pas très, très utile, honnêtement. Donc, si on fait ça... Comme ça. On va prendre ça, on va les détruire aussi. Ah oui, je sais qu'on avait laissé pas mal de bois ou de conneries en bas de la corde pour venir ici. Donc on va peut-être aller récupérer ça. Mais je crois que c'est à côté du nouvel emplacement qu'on a trouvé la dernière fois. Nouvelle petite maison. Enfin, maisonnette. Enfin, c'est même pas une maisonnette. Non, c'est débile ce que je dis. Pas un repère. Ah, j'arrive plus à trouver les mots, moi. On va boire d'abord. Genre un endroit, quoi. On a plus d'eau. Oui, du coup, ça. Ça, recycler.
très très grosse tempête bien vénère, apparemment. Très très grosse tempête bien bien vénère. C'est un peu embêtant ça. On va s'asseoir et on va lire à la fenêtre. Il reste plus que ça à lire. En tout cas, j'espère que... Que vous appréciez The Long Dark. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont laissé... Enfin, une personne qui m'avait laissé un message en me disant que... Elle avait arrêté The Long Dark parce que c'était trop difficile et tout ça. Bah, je trouve ça bête parce que... Honnêtement, The Long Dark est vraiment... assez unique dans son genre, je trouve. Parce que, dans un sens, il a une sorte de simplicité dans le menu et tout ça. C'est, on va dire que c'est... Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de combo de touches à faire, il y a pas, vous voyez, des choses comme ça, c'est pas compliqué à prendre en main. Mais après, il y a quand même beaucoup de savoir à accumuler par rapport aux maps et par rapport à comment, bah, comment les mécaniques fonctionnent aussi. Donc, je sais pas, je trouve que c'est une bonne balance pour ce jeu. Et après, le système de survie, je le trouve assez bien, parce qu'on devient jamais vraiment extrêmement OP dans le jeu. Genre, moi, maintenant, j'ai l'arc et tout ça, mais... Si jamais je me loupe avec l'arc et que je fais de la merde, bah les loups ils vont me bouffer quoi, ils vont me bouffer les fesses. Donc du coup, on est jamais, voilà, enfin on prend toujours des gros dégâts, si on se fait attaquer, il y a toujours, voilà, c'est toujours risqué. Donc je pense que c'est un bon jeu par rapport à ça, je trouve. Donc ça vaut vraiment le coup hein, à apprendre et peut-être un peu à se forcer. Et après, vu que moi je connais un peu les difficultés du jeu, et beaucoup de gens qui regardent connaissent déjà, commencer avec la difficulté normale, puis après enchaîner sur d'autres difficultés. Ça, la difficulté normale est bien parce que vous trouvez beaucoup d'objets. On va encore lire. Vous trouvez beaucoup d'objets. Donc du coup, ça vous permet d'apprendre plus ou moins tous les objets que vous trouvez. Parce que vous allez en trouver différents, énormément de différents. Donc genre que ça soit de la nourriture, des outils et tout ça. Donc ça vaut le coup de jouer en normal pour ça, pour pouvoir trouver le plus d'objets possible en fait. Par contre la planque elle était où exactement? Je me rappelle plus trop. Je crois qu'elle était là-bas. Je crois qu'elle est derrière ça. Je me rappelle plus. On va voir. Donc ouais, je pense que ça, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, qui est assez unique et spécial. Parce que c'est compliqué, la survie, les jeux de survie, bah tiens, vu qu'on connaît la zone et tout ça, je veux un peu discuter en général des jeux de survie. J'ai sûrement déjà fait, mais bon. Les jeux de survie, en fait, c'est toujours très dur de faire la balance entre... la survie au début, qui est le plus intéressant, honnêtement, c'est toujours le plus intéressant parce qu'on n'a rien et on doit tout trouver. Et le endgame, dans un sens, entre parenthèses, genre la fin du jeu où vous avez déjà tout et vous devez. Et vous jouez, quoi, tout simplement. Parce que, en théorie, quand vous avez tout trouvé, vous avez déjà tout disponible et avec du bon équipement et tout ça, ça devient beaucoup plus simple. Mais du coup, ça devient chiant aussi. C'est un peu ça le problème. Plus ça devient chiant et plus ça devient... Enfin, plus ça devient facile, pardon, et plus ça devient chiant. Donc c'est extrêmement compliqué de faire une bonne balance. Et je pense que The Long Dark est dans la bonne direction pour la balance. Par rapport aux choses à faire. Il y a beaucoup de maps, elles sont très grandes. C'était là ou là-bas? Là-bas, je crois. Il y a beaucoup de maps, elles sont très grandes aussi, donc quand vous avez du matériel, il y a l'aventure en fait qui commence à arriver. Et là vous avez envie d'explorer toutes les zones, c'est ce qu'on a fait hein, par exemple. Et là ça devient vraiment cool. Et après une fois que vous avez tout fait, vous pouvez continuer à jouer tout ça, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Parce qu'il y a quand même tout le temps des petites choses à faire et puis des petits endroits à découvrir. J'ai pas vu un truc. Ah non, c'est le... Donc ouais, honnêtement, ça vaut vraiment le coup.
On va peut-être en prendre un quand même. Je pense que c'est un jeu quand même assez unique. Dans la survie, et assez intéressant. Honnêtement, pour... il faudrait faire de... On va jeter ça. Il faudrait faire de l'eau. Ah, on avait peut-être laissé de l'eau à côté du... De la corde, faut que je le regarde. Je crois sur la table. Je crois qu'on en avait laissé sur la table. Mais encore une fois, voilà, c'est un très bon jeu, mais je pense qu'il pourrait... être... genre un des meilleurs jeux de survie qui pourrait exister si, s'ils avaient plus de monde, peut-être. Il y a aussi peut-être la vision des choses. La vision des choses, peut-être une vision plus grande, ou alors plus abstraite. Pas abstraite, mais genre... moins concentrés sur ce qu'ils ont fait. Par exemple, avec le coup d'avoir rajouté des monstres, enfin le monstre qui nous poursuivait là pour l'événement et tout ça. C'est très loin en fait de leur jeu de base, que leur jeu de base, ils ont dit que c'est pas... vous avez pas peur des monstres, vous avez peur de la nature et du froid, c'est ça qui vous tue en fait. C'est ça que vous voulez échapper. Mais pas de monstres, pas de vraie peur physique, quoi. C'est vraiment l'ambiance en fait, c'est le temps et tout. Même les loups et les ours, vous les trouvez, d'accord, mais c'est pas les plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le froid, c'est la faim. Et c'est vrai qu'au final, ben, ils se sont lancés... On va mettre le bois ici, je pense. Ils se sont lancés là avec leur Dark Walker. Et peut-être qu'ils auraient dû le faire avant. Moi, je pense. Enfin, ça fait déjà des années, hein, que je dis que ce jeu pourrait être un très 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 bon jeu d'horreur. Hein. Mais ils auraient dû peut-être se lancer un peu avant. Et enfin voilà quoi, je pense qu'ils avaient déjà la possibilité de le faire bien avant. Mais voilà, donc peut-être qu'avec une vue plus large du jeu et peut-être plus de monde, meilleure ouverture d'esprit et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait devenir vraiment un très 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 bon jeu. on va pas faire du feu maintenant parce que... Il y a du brouillard maintenant, c'est chiant. Il va peut-être pas faire très froid par contre. On va voir. D'abord, est-ce qu'on a tout? On a du métal, pourquoi pas. Peut-être que le métal, à la limite, on devrait le laisser là. Parce que le métal, ça sera pour... En gros, ça sera pour... on aurait dû même le laisser à la forge. C'est pour réparer nos vêtements... pas nos vêtements, nos outils. Mais on va le laisser là, on va pas faire le tour encore une fois, sinon ça va nous prendre 3 plombes. Parce que le métal, en fait, on en a plein au barrage. Donc ça sert un peu à rien de ramener du métal. Très bien, on sort. Si jamais on fait du feu, on... Ouais, il fait pas très froid, ça va. Ouais, quand il y a du brouillard, la plupart du temps, il fait pas extrêmement froid. Donc on va aller à gauche. Et puis après on part, hein, on s'en va. On a bien récupéré nos flèches, hein, on a des fûts de flèches, ouais, c'est très bien. Après, je préfère quand même combattre les loups gris, je vais être honnête. Hein. Parce que c'est beaucoup plus combat, en fait, que des loups normaux. Parce que les loups normaux, ils vous foncent dessus, ils vous grabent, vous pouvez rien faire. Alors que là, c'est différent, ils vous tournent autour et tout ça. Vu que nous, on est archer 5 et on est bon en tir.
Du coup, on peut, entre parenthèses, facilement les tuer. Donc c'est plutôt cool. Je vais essayer de monter et dessiner. On va peut-être aller là-haut. Je vois peut-être quelque chose là. Peut-être... Hop, putain, il m'a fait peur. Là, on a du mal à les entendre. Très très bien. Très très bien. Je vois du bordel là-bas. On va aller y aller. Il y a plein de bois partout. Bah tiens, je savais pas qu'il y avait ça. On va pouvoir se réchauffer et tout, très bien. Attendez, on va faire le tour vite fait d'abord. Là, il y a un pont. Là, ça monte, il y a des... Ouais, j'ai vu le lampadaire, là. On va se mettre là. Toujours accroupi, c'est important. Voilà, très très bien. Ah bah peut-être qu'on va rester un peu plus longtemps ici, hein, ça dépend. Hein, ça dépend si on trouve des choses intéressantes ou pas. Si l'exploration en fait nous mène à comme ça des petites maisons, des voitures et tout ça. Peut-être qu'on va rester un peu plus longtemps. Hein. C'est possible, hein, c'est possible. Genre moi quand je... Attendez... On est allé sur cette île? C'est vrai là avec... Bon là je vois des loups mais... Je suis en train de me dire... Nous on est allé... Il y a une île là non? Celle-là on la connaît pas. Ah, on va peut-être y aller après. On va se réchauffer tout ça, on va voir. Ah, je suis pas trop trop sûr de ce que je dis. Parce qu'en fait il faudrait qu'il y ait plus de brouillard. Qu'on voit s'il y a le phare. Parce que c'était dans le phare qu'on était allé la dernière fois. Toute première fois où on, sur cette zone là. Donc si jamais il y a le phare, ça veut dire que oui c'est la même île. Sinon non. J'avais dit qu'on prenait pas de bois, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Bon, bah, y'a rien. On a plein de chaises, on pourrait les casser pour faire du feu et boire. Par contre, je voudrais bien qu'il fasse soleil. Comme ça, on n'a pas besoin d'allumettes. Mais, ouais, pas avec cette purée de pois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'île d'abord ou après on continue sur notre droite, sur notre lancée? Enfin, quand je dis droite, c'est le droite de la map. Je sais pas trop. Je ne sais point trop. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a point grand-chose. Très bien. Ça va faire au moins 2 semaines que j'ai pas streamé aussi. Juste pas l'envie. Alors attendez. Ah, on va y aller, on va y aller. Ça a pas l'air très compliqué. Si la glace casse pas, on y va.
Enfin, on y arrivera. Je vois des loups. 1, 2. Ah, c'est compliqué avec ce brouillard quand même. 3, 4. Je vois 4 loups. 1 là, 2, 3, 4. J'essaye de... Merde, il va vers moi là ou pas? J'essaye de me mettre le plus possible en fait sur le côté droit. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai entendu le bruit là. Essayer de monter le plus haut possible pour couvrir le plus de zones possible avec, avec le dessin. Même si je me demande si on peut dessiner avec ce brouillard. Pas trop sûr. Il commence à faire froid. Wow. Ah, c'est là-bas, nous. Ouais, non, c'est pas la même île, on est d'accord. On est bien d'accord. Bon, par contre, s'il y avait eu quelque chose, genre... un sac qui traînait, un truc comme ça, on l'aurait vu sur le dessin parce qu'on a, on a fait toute l'île en fait, tout le îlot d'un coup avec le dessin. Donc on va rentrer au bungalow pour... au mobilhome pardon. Pour se réchauffer. Il y a juste celui-là là qui se balade un peu trop près. Lui, je pense qu'il me flaire un peu, vu comment il se... Ah, ça y est, il trottine. Il m'a flairé. C'est bon. Okay, je voudrais pas combattre maintenant. Je voudrais me... Dépêche, me touchez pas. On va pas y arriver, ils vont sûrement me foncer dessus. Putain de merde! Voilà. Ok, donc qu'est-ce que je disais sur le fait que ils pouvaient pas nous agripper? Qu'est-ce que je disais sur le fait qu'il pouvait pas nous agripper? Alors je vais voir un peu. Cheville, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les vêtements par contre. Ça va. Attendez. Ok, on est bon. Fait un peu nuit, c'est pas grave. Ah non, attendez, on va peut-être pas dormir. Ah, c'est con, hein. C'est bête, c'est bête. Mais c'est pas grave, j'avais pas vraiment envie de tirer maintenant, parce qu'après, il fallait tous les combattre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Ouais, y a que le cache-oreille qui a pris extrêmement cher. On va le réparer maintenant. On utilise de la couture ou pas? C'est combien avec la couture? 22 minutes. Allez, on va faire la couture. Ça nous a pas fait extrêmement mal. Qu'est-ce que je fais? J'avais cliqué trop de fois. Il y a ça, mais c'est un peu de lapin. Non, ouais, on est bon, on est bon. Hein. On est tranquille, on est tranquille. Faudrait qu'on fasse de l'eau. Ouais, on va devoir s'arrêter et faire de l'eau. On va devoir s'arrêter. Dormir 2 heures, 3 heures. Juste pour faire passer la douleur et tout ça. Non, c'est 4 heures, je crois, la douleur, ou 2 heures? Je sais plus. Ah, douleur. Ça c'est fait. Cheville. Délai de récupération sur 4. Ah, il faut quand même la soigner. Merde. Oups. Hop là. Ok, très bien. Ouais, on va devoir faire de l'eau. Alors, je crois qu'ils ont pas peur du feu, je suis pas trop sûr. Non, ils nous ont lâchés. Alors attendez, j'avais vu un truc pour un endroit pour faire du feu, non? Où il y en a pas. On peut le faire là. Là, ça a l'air pas mal. Ouais, non, je... Ouais, non, non, go. Ouais, ça, là, ça a l'air tranquille, à l'abri du... Enfin, c'est enfermé le plus possible. Donc, oui, pourquoi pas, hein. On a 3 heures de feu. Très bien. Oh, attendez, je crois qu'il y avait des caisses à l'intérieur. On va voir si on peut casser des caisses directement. À l'intérieur, comme ça on n'a pas froid. Bon, il va falloir les trouver. On distingue un tout petit peu. Caisse. Je crois que le feu est pas assez fort pour nous maintenir au chaud. Attends, des chaises. C'est bon. Ouais, donc quand il y en a... assez en fait pour faire une meute. Ouais, non, le feu est pas assez fort. Quand il y en a assez pour faire une meute, du coup, bah ça marche. Sinon, bah ça marche pas. Pour les loups. C'est intéressant à savoir. C'est bon à savoir. Oh, stop de manger. Il faut de l'eau. Ça donne soif en fait. Il y a certains aliments qui donnent soif. Attendez, 125, 115, 110. 110. Celui-là il doit avoir au moins une centaine de jours, j'imagine. Mince, c'est potable, non potable? Si, c'est bon, c'est potable. Des fois, je prends trop vite et je fais plus attention.
Peut-être on a fait trop de feu en fait, tout simplement. Ah, après là, je dirais pas non pour qu'ils viennent maintenant. Comme ça, on a des steaks. C'est un peu chiant de combattre là, mais... moi, je dis pourquoi pas. Let's go, let's go, let's go. On n'a rien fait tomber hein, quand on s'est fait attaquer. Vu qu'on a gagné la bataille. Fait chier, ils ont peur. Ah, quand vous êtes pas en bande, hein. Faites-moi les malins, hein. Il y a des jeunes. Vas-y, viens, 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 viens. Viens, je te mets la misère. Viens me demander si j'ai des cigarettes. Vas-y, viens. Un coup de tête. Je vois rien du tout. Je distingue, mais alors que dalle. Bon bah. Bon bah alors. Hein. Ah oui, aussi après on m'avait demandé... j'avais répondu déjà en commentaire. Mais, et j'en avais parlé la dernière fois. Si jamais je recommence une survie et tout ça. À chaque fois qu'on a recommencé en fait une survie, c'est vraiment parce que il y avait besoin de recommencer une survie. Merde. Comment est-ce que je viens de faire ? C'est genre, il y avait vraiment besoin de recommencer une survie parce qu'il y avait des nouvelles mécaniques, des nouvelles zones, des grosses mises à jour quoi, avec des gros rajouts. Et honnêtement, là, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien du tout, en fait, qui est prévu. Oh merde! Putain, mais on a froid. Oh la vache, tu te fous de moi. Oh, saloperie de temps. Vous voyez, j'ai pas fait attention, on est très bas en vie maintenant. On est très très bas en vie. On pourrait prendre des tisanes, mais j'ai envie de les garder quand même. Aïe 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 aïe. Ah, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Parce que comme j'en avais parlé la dernière fois où j'avais dit que on avait mis du temps à aller à Milton et tout ça, parce que j'avais recommencé du début, recommencé une survie entière. Et c'était pas vraiment très très fun, parce que ça mettait du temps, les gens voulaient voir les nouveautés, enfin même moi je voulais voir les nouveautés en fait. Donc du coup on a mis énormément de temps. Donc ouais, je pense honnêtement que je vais pas recommencer si vraiment il n'y a pas besoin. Après c'est vrai que je voudrais bien recommencer simplement pour une chose, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est pour avoir le bonus là du Dark Walker, genre moins de se fatiguer la nuit. Genre en gros, genre, pour faire une sorte de roleplay où on joue la nuit. Mais c'est tout, honnêtement c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc tant qu'il n'y a pas d'énormes mises à jour, on va rester sur cette survie, je pense. On va rien faire d'autre. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à casser. Ouais, il nous faut de la nourriture là par contre. C'est pas fun là le brouillard, là. Enfin la tempête de neige. Ah, donc ouais, non, il n'y a pas vraiment de nécessité à recommencer. Donc
je crois qu'on va rester comme ça pour le moment. On va s'occuper. Ce qui serait bien, encore une fois, c'est les mods, hein, les mods. Quand les mods arriveront, je pense que là, ce sera le plus fun. Hein. Si jamais ils arrivent un jour. Je pense que ce sera le plus fun, c'est de tester des nouveaux mods à chaque fois, faire des... On fera peut-être même, genre, tous les week-ends, on testera peut-être des nouveautés. Je prendrai... Si vraiment il y a beaucoup de mods, je parle. Si, par exemple, on compare à Fallout 4, je pense pas qu'il y en aura énormément, mais... on sait jamais. Genre tous les week-ends on pourrait faire genre je prends 3-4 mods et je fais 2 épisodes. Au lieu que ça soit la survie du week-end, ça serait genre le test des mods et on recommence à chaque fois une nouvelle partie avec les mods pendant 2 petites heures et ça fera un épisode de samedi, un épisode de dimanche. Ça peut être pas mal ça aussi, ça peut être pas mal. De faire ça comme ça. Parce qu'après j'ai un peu peur que les mods cassent un peu notre jeu en fait. Notre survie. Je crois qu'il fait un peu trop froid pour faire ce que je suis en train de faire. Parce que là on voit plus rien. Ouais. Ouais, on voit strictement rien. On va rester à la maison. On va rester là. Ah, c'est embêtant. Je voulais faire là. On était vraiment bien parti et maintenant il y a le temps qui s'en mêle. Ah, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Très bien. Faut de la nourriture. Si on voit des loups, on les attaque. Voilà, c'est un peu mieux. Donc je voudrais aller voir là-bas, moi. On va peut-être courir un peu. Il y a quelque chose. Si jamais il y a une carcasse de genre de cerf et tout ça, on prendra la viande. Il y a un pont et tout en plus. Oh. Mais voilà, on garde la survie pour le moment. Et comme j'ai dit, si jamais ils mettent une nouvelle zone, parce qu'ils avaient parlé d'une nouvelle zone à un moment. Ouais, je crois que le pont il est détruit, on peut pas y aller. On ira directement à la nouvelle zone. Avec cette survie là, vu qu'on on sera bien équipé. Ok. Par contre c'est embêtant, on va devoir encore utiliser des allumettes pour faire du feu. Ça dépend combien il y a de kilos de viande en fait. Fin de l'autoroute côtière. On va aller récupérer des steaks sur le cerf. Il fait pas trop froid. Donc on va pas faire les steaks maintenant, on va pas les cuire maintenant. Si jamais on tombe un peu dans le rouge en fait, pour la fin, on les fera. Mais je voudrais trouver un peu plus de choses en fait pour à cuire. Parce qu'on va pas faire un feu pendant genre 5 minutes et pour cuire un steak et demi quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire au couteau cette fois. Toujours ce bug.
fingers feel numb. Très très bien. Je vais essayer de monter. M'étonnerait qu'on y arrive. Peut-être si on atteint là le rebord. Genre là. Et putain, connasse. Pardon, désolé. Allez, allez, yes. Oh, c'est le poignet, chier. Ok, elle commence à avoir froid. Si jamais on trouve pas d'abri, on va faire un feu. Ce système, il faut vraiment qu'il le retravaille, honnêtement. Ce système de poignet et cheville, là. J'ai... Non, non. Non. Tout simplement, non. Ça fonctionne pas bien. Ah, on a plus ou moins compris hein, pourquoi ils l'ont mis. C'est pour éviter les choses comme moi, par exemple, ce que je fais et tout ça. C'est pour redonner une difficulté par rapport aux gens qui essayent de grimper comme ça. Ou alors de descendre. Mais non, ça marche pas. Vous voyez là-bas. Ça marche pas comme il faut. Ça marche pas comme il faut. C'est plus chiant qu'autre chose en fait. C'est trop aléatoire. On comprend pas pourquoi. C'est par exemple, elle se fout de la cheville, le poignet. C'est pas comme si elle essayait de monter à quatre pattes, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non. Marche pas vraiment ce système. Bon, par contre, on va faire un feu. Je vais juste regarder ce qu'il y a là. Ce serait bien que ce soit encore une carcasse. Ah, c'est un cadavre. On m'aurait étonné aussi. On va faire un feu là. On va faire un feu à côté de toi, Johnny Boy. Au moins ça va vite pour faire des feux maintenant. Il y a ça aussi, les habilités à monter, si jamais il y a une nouvelle zone par exemple. Il nous faudrait des habilités assez élevées. Non, c'est bon. Non, attendez, on va d'abord attendre que ça passe. Ah, on va dessiner, tiens. Mais très bien. Je voulais me mettre là parce que j'avais vu deux branches. Non, elles étaient là, je crois. De branches côte à côte, me mettre au milieu pour pouvoir les casser en fait, tout en ayant chaud avec le feu, mais au final non. Vu qu'il y avait le cadavre ici. Mais je crois que en fait on va peut-être passer un peu de temps dans cette zone, parce que c'est un peu la zone de fin de jeu, genre endgame, parce que c'est une zone difficile. Donc pourquoi pas un peu faire le tour et dessiner. Je crois qu'on va faire ça. Ça peut être peut-être un peu, on va dire intéressant le temps de retourner à au camp. Bon, par contre, c'est un peu limité à chaque fois parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On est assez lourd aussi, donc on peut pas transporter 3 milliards de choses. Mais ouais, pourquoi pas le faire? Tant qu'on détruit pas nos vêtements, ça me va. Ah, très bien. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Un tout petit peu d'eau. Après, quoique honnêtement, on n'a pas vraiment besoin.
On va virer l'eau, ça sert à rien ce qu'on fait. On va faire bouillir un thé, comme ça on aura chaud et on partira direct. Tiens, Johnny Boy, regarde-moi ça. J'essaye d'éliminer les 100, voilà, ça par exemple. Quoi qu'on va faire comme ça, ça ira plus vite. Là, je sais même pas si on va faire de l'eau en fait. Ça va nous réchauffer au moins. Voilà, barre presque pleine, eau impropre. Il y a 1 litre. Ouais, mais on a déjà 2 litres, ça va. Très bien. On y va. Alors, on va continuer vers là-bas. Ah, tiens. Des bois. Bon, là, on est bien parti, là. Je vais essayer de faire attention parce que là, vu qu'on n'a pas vraiment de but précis, il n'y a pas de bâtiment. Donc je vais essayer de ne pas aller au-dessus d'une heure parce que quand on est en exploration comme ça à l'extérieur, c'est extrêmement simple de dépasser l'heure. Donc il faut que je fasse attention à ça. Alors, on aurait pu prendre plus de torches et les allumer les unes après les autres. Tu vois. On aurait pu faire ça. Non, c'est pas très grave. Attendez, on va se mettre à côté de la torche. Très bien. Je vois rien d'intéressant. J'ai vu qu'il y avait un bout de bois à couper, on va y aller. Sur la carte. Là, on est de retour au mobile home. Le bout de bois avait l'air d'être là, je crois. Je pense qu'on peut descendre par là. Ok, c'est bon. Très bien. Et maintenant il fait soleil. Je crois qu'on peut utiliser la loupe maintenant. Ça se passe bien. Ouais, on va aller en direction de la grotte et puis hein, on avise si jamais on trouve quelque chose d'intéressant. Je pense que c'était là le bâton à couper sur la carte, je suis pas sûr. J'ai rien vu en haut de mon perchoir. Bon après c'est pas très important. Mais... Rien.
loup. Il se fait un peu froid. Je dirais, on passe. Oh waouh. C'était rapide. Ta mère. Ok, on est très très mal positionné. Oh mon dieu, je tire comme une merde. Ils sont chiants à faire ça. Tout va bien. Une hémorragie. Ok. Faudrait que je fasse plus ça en fait. J'attends vraiment le dernier moment. Là c'est vrai que j'ai un peu merdé. Alors, hémorragie. Doucement, tout va bien. Je crois qu'on a perdu une, deux flèches. Après les vêtements, ça va, ils sont tous là. Il y en a un qui est parti avec une flèche. Je crois qu'il y en a deux qui sont partis avec les flèches. On va les trouver. Là-bas, un. Ah, ce que j'en vois pas là. On va aller les finir. Oh non, non, tu vas pas jouer au connard. On a très très mal joué, hein, je veux pas dire, mais très très mal joué. Très très mal visé, très très mal tiré. C'est pas grave, ça arrive. Reviens ici avec ma flèche. Putain de saloperie. Au final, je sais pas si c'était lui. On va devoir trouver un endroit pour se... pour s'abriter du vent. Ah bah voilà. Ah, j'avoue que c'était mal joué là. Je m'embête un peu. Bon, c'est pas très loin. L'endroit où on a combattu, donc on va pouvoir aller chercher des
chercher les cadavres et les flèches perdues peut-être. Je crois qu'on avait 22 flèches. Donc je suis quasiment sûr qu'on en a perdu au moins 2 ou 3. Ce qui est embêtant. C'est ici pour partir de la zone ou pas? Est-ce que c'est là? Ou c'est une grotte? Non, c'est là. Non, 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 c'est une grotte, ça. Non, c'est juste une grotte. Ok, nouvelle grotte, on peut dormir en plus. Très bien. Ok, c'est parfait. On a un lit. Ouais. Bah, c'était pas fameux. Alors, celle-là... On a perdu énormément de vie, c'est pas grave. Comme j'ai dit, ceux-là ils sont pas très dangereux, ces loups honnêtement. Donc ça va. Ça a réparé d'urgence. Ça m'aurait fait chier hein, qu'on le perde ça. Ça et ça, mais il nous faut des pots. Après le reste. Ouais non, le reste il faut des pots. On va le réparer à fond. Ça, c'est le plus fragile, en fait. On s'est fait toucher, quoi, 3-4 fois. Ça vaut le coup de dormir. Je voulais aller me mettre à côté des cadavres en fait pour récupérer à manger. Mais j'ai l'impression qu'il va faire très froid donc on va récupérer les champignons puis après on rentre dans la grotte et on dort. Ah c'est embêtant. Enfin, c'est... Maintenant, au point où on en est, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, on est resté cool et tout ça. Après, j'ai mal géré... on était mal placé. Le problème, c'est qu'on était mal placé. On pouvait pas vraiment les diriger dans un seul endroit. Donc, on était obligé de faire attention un peu tout autour. C'était très mal... La position était très mal. Vraiment mal positionné. C'est ça qui nous a foutu dans la merde, surtout. Mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. On a les tisanes, donc comme j'ai dit, pour récupérer plus de vie. On va peut-être le faire. Genre un bon 5 heures. Un bon 5 heures avec une tisane. Bah, ça sera le prochain épisode, qu'on va s'arrêter là, je crois. On va boire ça. On va boire ça. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va continuer dans la zone et je crois qu'on va partir. Je vais essayer de faire un petit tour la prochaine fois. Je vais essayer quand même de faire un petit tour pour trouver les flèches, si jamais on peut. Mais ça m'étonnerait. Et je pense que la prochaine fois, genre quand on sera de retour à Mystery Lake, chez nous donc, on va pouvoir peut-être faire une petite excursion vers la forge pour aller crafter des pointes de flèches. C'est vrai qu'on en a plus trop. On en a plus trop. Et maintenant, on pourrait rester vraiment à la forge extrêmement longtemps. Hein. C'est pas très, très problématique. Par contre, quelle forge? Ouais, c'est ce bois-là que je voudrais récupérer. Mais on est là, on verra. Quelle forge? Je pense que Muskegmon reste la forge la plus intéressante parce qu'elle est en extérieur. Alors, elle est entourée de loups, certes. Mais les loups, c'est pas vraiment grave. Hein, c'est pas vraiment grave maintenant qu'on les tue. Peut-être que, vu qu'on prend la crique lugubre, vu qu'on est à la crique lugubre et qu'on prend cette route-là et qu'on va à Muskegmorn, peut-être qu'on pourrait aller directement à la forge. Ça, c'est une idée, ça aussi. Par contre, on n'a pas de métal. Ah mince, ouais non, on va peut-être pas pouvoir... Ah, quoique, est-ce qu'on pourrait continuer notre excursion? Genre, on va à la voie ferrée détruite. On retourne où on était, vous savez qu'on était là-bas.
dans l'usine ou je sais pas trop quoi là. Il y a plein d'étagères et tout ça. Peut-être qu'on va récupérer du métal ici, puis après on retourne à la forge. Ça pourrait nous faire une excursion un peu plus longue. Vous voyez ce que je veux dire, hein, l'excursion un peu plus longue avant de retourner à la maison tout bêtement et faire des allers-retours comme ça. On pourrait faire ça, ça pourrait être cool. Ah, je vais me le noter sur un document sur quoi faire pour la prochaine fois. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ça paraît être une bonne aventure comme ça. Allez, c'est parti. Bonne nuit, ciao ciao.